il y a des petits... Il y a des petits trucs dans le crâne. Qu'est-ce qu'elle est fatigante à s'extasier de tout comme ça. Ah non, mais je trouve ça trop mimi. Bonjour les gourmandises, on espère que vous allez bien. Nous sommes la Super Magique Amère, on l'attaque. T'as vu cet espace depuis qu'on enlève la table? C'est une menteuse. C'est une menteuse parce qu'il n'y a pas plus tard que 5 secondes, elle disait « I have a migraine ». C'est vrai. Oh. On se retrouve aujourd'hui, ouais. On est ensemble ici sur cette chaîne YouTube qui se nomme l'Atelier de Roxane, à laquelle je te vois, tu n'es pas encore abonné, alors abonne-toi, active la petite cloche, viens nous suivre ailleurs, on est sur TikTok, on est sur Instagram, on est partout. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'épisode 3 des objets influenceurs. Vous avez kiffé le concept, vous avez kiffé le 1, vous avez kiffé le 2 et j'espère que vous avez kiffé le... Oh que oui. Le 3, pardon. Le 3. Je te propose qu'on commence par Millie Bobby Brown. Je savais pas, alors honnêtement, non, moi non je plus. Dis qui c'est, mais en fait oui, c'est dans Stranger Things. Comment elle s'appelle dans Stranger Things? Stranger Things. Tu as pas fait les trucs avec Duolingo, pourtant. Donc c'est... Comment elle s'appelle dans Stranger? Ah oui, elle fait ça. Elle fait pas ça. Et non, ça c'est quand... Oh, c'est trop cute. Oh, mais on dirait les décalcomanies quand on mais était bébé, gamin. Mais t'as vraiment aucune gestion de l'émotion. Mais c'est à chier, ça. Mais non, c'est très mignon. Mais c'est vraiment, c'est à chier. Est-ce que vous avez connu... Non, mais je suis sûre que non. Mais oui, il y a bien des années 90 parmi nous. Tu achetais ça et t'avais une petite gratouille jaune. Yoann, faut que tu trouves la photo de ça. Jess, t'as connu ça? Non, elle me regardait avec des yeux de désespoir. Elle est... Moi non plus, je connais pas bien. Donc, on achetait des décalcomanies, c'était une feuille transparente. Il y avait des images en dessous. T'avais un grattoir qui ressemblait à un couteau jaune. Tu grattais, t'attaques et t'avais le dessin qui se mettait sur ta feuille. Ça va être bien pour mon petit agenda. C'est inutile. Bah non, c'est un petit non, truc en inutile. Plus. Bon déjà, id to do did. Alors ok, on est sur de l'hydratation. Donc 11, elle a sorti sa marque Florence, qui est évidemment, mon amour, un kit d'hydratation. Donc je te propose que nous testions ce kit d'hydratation sur ta peau qui est sèche, rugueuse et boutonneuse. Il y a une peau pourrie en ce moment. Non, sérieux, t'as une sale peau en ce moment. Mais qu'est-ce que c'est? T'as une belle peau, toi? Franchement. Mais bébé, ben oui, ben enlève le fond de teint, tu vois. Est-ce que ça sentirait pas la punchline de ouf, ça? Ok, on a 4... Combien ça coûte, ça? Je vais te dire ça. Non, attends, d'abord tu testes. Ah, à la fin. Masque capillaire, bah ça déjà c'est mort. Bah si, j'en ai. Crème hydratante pour le visage. Baume à lèvres, arrête. Et l'écor illuminant. Mais bébé, mais tu testes avant. Arrête, je te fais moi le crash test. C'est marrant parce que t'as vu, c'est un baume à lèvres, mais transparent. On dirait de la gelée. T'as presque envie de la manger. Bon allez, bien bébé, on se sent canalise là, parce que tu fais n'importe quoi. Bon déjà, bon, le masque capillaire, je le testerai quand je me laverai les cheveux d'ici 15-20 jours. Mais non, mais bébé, c'est un masque capillaire. Eh ben, j'ai des gamins. On pourra pas voir si t'as les cheveux doux après ou quoi, ou mais soyeux. Pourquoi? Et comment ça c'est? Oh, ça sent trop bon. Elle va appuyer, hein, je la connais. Oh. Oui, je vous l'appuie. C'est vrai que ça sent bon, mais viens, on fait dans la barbe. Mais bébé, il faut rincer tout après, ça. Ben, je vais rincer. Oh là là. Quoi, là, tu mets pas du tout en avant son produit. En tout cas, ça sent hyper bon. Donc, je le testerai, moi, sur mes cheveux et je vous dirai en story. Ah ben, je peux te jurer que ça sent pas bon une fois que tu le mets. Hein. Oh. Ah ouais, hein. Dans la barbe. Mais parce que bébé, ça se rince normalement. Mais je vais le rincer, mais ça pue. Bon, laisse non, poser. Non, non. Et... Ah, ça pue la mort. Non, ça va, mais c'est parce que ta barbe, elle est rugueuse aussi, comme ta peau. Oh, mais ça va, les critiques là, hein. Bon, on va faire la crème hydratante visage. Hydrate-moi, vas-y. En tout cas, honnêtement, les petits packaging, ils sont hyper choux. Ah, ça sent la même odeur. Ça pue. Non, ça sent... non, les odeurs, elles sont pas ouf, hein. C'est vrai, t'aimes pas parce que ça fait très chimique, c'est ça? Bah, grave, c'est... Par contre, elle est douce, hein. Elle, je sais pas, je la connais pas, mais... Il est rouge encore. Comment tu frottes sa bouche, tu rouges. Mais c'est ouf, hein. Il est écarté. Mais oui, hein. Bébé, mais c'est vrai que t'es drôlement rouge. Mais c'est les lumières à chaque fois. Dis-moi, déjà, est-ce que ça te fait du bien sur la peau? Moi, j'aime pas les crèmes, tu le sais. Non, mais il y a des crèmes que j'ai que tu aimes. Mais franchement, elles sont pas ouf. Hein. Je te montre. Non, elles sont pas ouf. Mais elles restent un peu collantes, moi, ça, j'aime pas. Mais 11, là, c'est pas... Elles restent un peu pégueuses. Et moi, j'aime bien quand les crèmes hydratantes, genre vraiment, ça glisse, tu vois. Ça, c'est pas mal. Le gloss, attends, moi, le je l'ai pas vu. Ah oui, t'as raison, c'est un peu... C'est mignon. Alors moi, sachez une chose, je suis ultra connaisseuse en baume à lèvres. C'est pas du gloss, c'est du baume à lèvres. Parce que j'ai une addiction, c'est-à-dire que j'ai tout le temps mon... Non mais c'est vrai, hein, mon baume à lèvres sur moi et je m'en mets genre 20 fois par jour. Et je suis fan de la Bello en vrai. T'as fait des études là-dedans même, hein? Ah, c'est agréable. Mais ok, c'est le genre de truc qui tient pas longtemps. Non mais non. C'est pas assez graissé. Ouais, non. Mais par contre, visuellement, c'est mignon. Ouais, ça c'est mignon, ouais, je suis d'accord. Je vais le garder, je vais voir si d'ici qu'on ait fini de tester, ça tient. Parce que moi, quand je mets du labello, ça tient plusieurs heures. Ok, il reste un truc. Mirror magique, j'ai besoin de thé. Ou alors, si tu veux, tu m'hydrates mon bras. Non, vas-y, fais-le moi. Non, alors, non, donne-moi le bras tatoué, ça se verra plus. Parce que t'as la peau vraiment sèche. Oh, B, ça va. Mais c'est vrai, regardez, t'as des plaques de peau sèche. Tu prends pas assez soin de ta peau. Mais c'est très chimique, hein. Ouais. Non, vraiment, les odeurs, c'est pas ouf, hein. Oh.
Ah, par contre, elle... Oh. Ah oui, regarde, t'en sentiens. T'en as mis beaucoup, mon jeu. Non, mais bébé, t'as la peau tellement sèche, ça va être bu en deux secondes. Regarde ton tatouage comme il ressort. Non, mais tu vois vraiment la différence quand t'as une peau hydratée? C'est incroyable. Mais ça absorbe... Mais ça pénètre. Ça absorbe pas du tout. Bébé, mais bien sûr. Tu le sais, même toi, regarde. Mais bébé, c'est normal, regarde, ça reste soyeux. Pas. Ouais, ça, ça reste gras. Hydratation, on est... Ah, mais il y a des paillettes dedans. C'est vrai? C'est pour ça que ça fait scintillant. Et oui, ah, regarde, il y a plein de micro-paillettes, c'est trop beau. Bah oui, mais bon, dis-le avant, quoi. Ça, alors, je pense que c'est une crème qu'on peut utiliser l'été. Parce que vu que ça reste un peu gras... Non, mais alors, ça reste pas du tout agréable. Ouais, c'est agréable l'été, mais c'est pas une crème d'hiver. Le baume à lèvres est pas mal. Ça va. Mais c'est une petite déception quand même. On va dire l'odeur est pas ouf, la texture est pas ouf. Oh, non. On est sur un kit à 28$. Okay. C'est vraiment pas cher. Non, c'est pas cher. Parce que les produits visage, corps et tout, ça coûte quand même relativement cher. Mmh, mmh. Mais est-ce qu'il vaut pas mieux mettre 15$ de plus et avoir quelque chose de vraiment... Après, là, non, regarde, en fait, ça fait des bouloches et non, tout, la crème, regarde. Ouais. Honnêtement, ça fait un peu produit cheap, ouais, c'est ça. Pas bonne qualité. Le kit que t'offres à Noël à la personne à qui tu sais pas que tu sais pas quoi lui offrir, tu vas l'acheter le 24 à 18h. Ouais, tu connais pas trop comment non, ça... Non, ouais, j'aime pas trop. T'aurais pu faire mieux. Fort. T'aurais pu faire mieux, je suis très déçu. Note sur 10, mon amour. 4. 2. C'est de la merde. Je te propose de continuer avec l'univers... TikTok. TikToker. Nous avons Fanny SCG. Est-ce que peut-être tu peux redonner ton TikTok, mon amour? Parce que t'es très active en ce moment sur TikTok. À ton avis? Là, t'es Droxane. Voilà. C'est simple, rapide, pas trop efficace. Voilà. Et je poste un TikTok par jour. Tous les jours. Donc Fanny qui a sorti Sugariz. Mm-hmm. Sugariz. Voilà, je vais arrêter parce que... Ouais, non, arrête. Ouais. C'est une box mystère. Ah, mais j'adore les petites boxes comme ça. Ça, pour le coup, alors... On va voir, hein. Mais là comme ça, je pense à un cadeau d'ado pour Noël. Ouais, c'est cool. Mmh. Je trouve que c'est visuellement comme ça, après on n'a pas vu ce qu'il y a dedans. Oh, ah non mais ça Loulou, elle va kiffer en vrai. C'est un petit gloss porte-clés avec un fonton. Oh, il y a des petits trucs dans le gloss. Qu'est-ce qu'elle est fatigante à s'extasier de tout. Ah non comme mais ça. Je trouve ça trop mimi. Franchement, voilà, on a le petit gloss qu'on peut accrocher au sac d'école. Ouais. C'est la seule chose que Louane a le droit de mettre sur son visage en cinquième, le petit gloss. Donc ça, c'est pas mal. Non, c'est joli en plus, ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on... Oh non, mais il y a des trucs trop mignons. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ça, c'est une palette à maquillage, ça, non? Ah non, mais attends, c'est... Ah, les couleurs, elles sont vraiment belles, hein, pour les petits maquillages de Noël. Bah, je sais pas, je suis pas spécialisée là-dedans, mais... Ah, c'est pas mal, hein. Mm-hmm. Bah, c'est... Ça fait un petit plus, hein. Oh, regarde. Été... Arrête, déçu sur moi. Mais regarde comme ça tient bien, les paillettes. Je mets une heure après, à chaque fois. Ah, mais en fait, il y a plein de gloss, il y a que des gloss. C'est la boîte pour Louane, hein. Alors, je vous jure que là, en fait, je me dis, je vais lui emballer, je vais lui offrir un Noël. Hein. Quelle rapia, quoi. Mais quelle rapia, quoi. Mais non, mais ça lui plaît, t'es sûr. Parce que là, on tourne avant Noël. Encore un gloss. Oh, it's a bag. It's a... comment on dit bag en anglais? Oh, il est hyper pailleté. On a encore un gloss. Qu'est-ce que... Encore? Mais en fait, c'est la... Ah oui, mais c'est la boîte des gloss, quoi. En fait, c'est pas une boîte mystère, c'est une ouais, boîte c'est de... Ouais, c'est dommage, parce que du coup, il y a... Oh, que des glaces. Par contre, c'est joli. Ah, celui-là, il est beau, hein. Ça, c'est quoi? Une brosse à dents? Je pense que c'est pour... Je sais pas à quoi ça sert. Là, on va passer pour des trous du cul parce que je pense que c'est un truc oui, que tout le monde sait à quoi ça va servir et nous, on est là comme des cons. À quoi ça sert? À quoi ça sert? What is the... Ah, voilà, ah, c'est... Tu vois, c'est ce que je faisais. Yes. Parce qu'on est vraiment sur la box des lèvres. Et il y a encore un truc, je crois. Et il y a encore un truc. Ça, c'est dommage parce que... c'est un masque. Ah, c'est un masque visage. C'est dommage parce que du coup, c'est mis sous les trucs. Je pense qu'à mon avis, il y en a plein qui doivent jeter la boîte avec ça. C'est un masque visage à la pêche. J'adore ça. Qu'il faut laisser poser 20 minutes. C'est trop bien. Vas-y, mets-moi là. Oula, c'est... Ah oui, c'est gras. Ah bah, c'est un masque, hein. Je suis sûre que c'est trop agréable, non? C'est pas désagréable, hein? Je trouve qu'on est là, comme ça, sur un bon cadeau pour les adolescents. Voilà, on est... C'est thématisé gloss, mais alors, si vous avez des ados, je pense que c'est le même délire pour toutes. Elles sont à fond dans les gloss, ouais, en ce moment. Et c'est hyper varié. Voilà, on a deux gloss identiques, transparents, mais c'est pas du tout le même design. Lui, il peut vraiment s'accrocher au sac. On a du rose pailleté, du bleu pailleté, du plus foncé. Et on a, en plus, la palette pour les yeux. Et du coup, ce qu'on pense être la brosse gommage pour les lèvres. Et le masque pour le visage. C'est quand même honnêtement hyper complet. Franchement, je m'attendais pas à ça, c'est plutôt cool. Hein. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gloss, mais en soi, t'as quand même la palette et tout. Non, franchement, c'est cool. Combien ça vaut, mon chat, ça? Attends, ne me dis pas. Moi, je connais le prix, donc dis-moi, ah, toi, tu connais combien tu achèterais cette box pour Louane pour un cadeau de Noël, par exemple? 30€. Elle est à 40€. Ok, c'est pas donné. Je trouve que c'est un peu cher. Mais après... Je suis un peu dans le monde de la boxe, on va pas se mentir, on m'appelle Boxman. Il y a du taf, hein. Oui, mais c'est pas... Alors, c'est pas non plus... Non, mais... Bah, est-ce que tu dirais que chaque produit combiné, ça fait 40€, ça donne? Bah, ça, on va dire que tu l'achètes au moins 4,90€, 10, 25,
28. Ouais, en vrai. Oui, ça allait beau. Moi, je pense que, Fanny, tu fais un petit prix psychologique. 39,90. Moi, j'aurais dit 35,90. Ouais. Si ta marge est bonne. Mais c'est une belle boîte. Franchement, c'est pas mal. Moi, je trouve que la créativité est là. Et en tout cas, tu réponds à une demande clairement chez les ados. Et moi, mon petit coup de cœur, c'est lui-là. Ouais, c'est bien joué. Et le masque, il est cool ou pas? Ah, il est hyper agréable. Je vais le garder tout de la vidéo. Je te le dis, merci, Fanny. Non, c'est cool. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Moi, je mets un 8 sur 10. Moi, je mets un 7, c'est bien. On passe au produit suivant. Yeah, let's go. Et pourquoi je fais ça, Ninou? Non, faut faire ça. Parce que, oui, mais c'est le produit d'un chanteur. Oui, mais c'est qui? Je sais pas. C'est Eva Queen. Ah, ok, ok. J'écoute pas trop Eva Queen, mon amour, je suis désolé. Eva Queen qui a sorti son parfum. La dernière fois, on testait le parfum de Martin Cosmetics. Et là, on va tester le parfum de... Après, je peux me permettre, Gaëlle, t'es pas très objective. Parce que tu la kiffes, tu t'achètes ses produits, donc t'es pas du tout objective, ok. Oh, dis donc. Franchement, le packaging, il est joli, sympa. Ouais, hein. Très joli. T'es prêt, toi? Alors, Loïc, franchement, t'es fort pour les parfums. Bébé, par contre, tu luis, hein. Il est pas fort, hein? Non, il est pas fort. Faut en mettre, hein, pour sentir. Ah, non, ils sont pas dégueux, hein, par contre. Hein. Ah ouais? Non, ils sont pas si mauvais je passe, du tout. Là. Vas-y, passe. Oh my god! Vas-y, repasse. Imagine, on est dans la rue, tu passes à côté de moi. Non, tu le sens ou pas? Non, ça sent. C'est vrai? Non, ça sent. En vrai, ouais, quand tu le pchites, ils sont pas forts, mais après, il a l'air de sentir. Non, ça sent. Ah ouais, non, ils sont bons. Ils sont bons. Non, il est pas mal. Mais alors, je pense pas que ce soit le parfum qui tienne de ouf. Bah, je sais pas en vrai, parce que ça sent quand même là. Le packaging est beau, le petit bouchon, la couronne Eva Queen, c'est vraiment pas mal. Et en tout cas, il sent bon. Après, est-ce qu'il tient à voir? Mais c'est vrai qu'au premier abord, quand vous le pchitez, t'as l'impression que c'est. Mais en fait, non, ça va. Là, non, là, je le sens de fou, en vrai. Ah ouais. Ok, on est sur un parfum plutôt pas mal, Eva. Eva, on est d'accord, c'est... La sœur de Jazz. Celle qui t'avait demandé. Oui, celle qui m'a gratté une pub Instagram. Celle qui t'a gratté une pub Instagram et qui nous a plus jamais répondu. Oui. Jazz, si tu regardes cette vidéo, voilà. Je ne te salue pas, tu n'es pas une belle personne. Mais en tout cas, Eva Queen, on ne le connaît pas. Non, et ça sent bon. Et bon produit, bon parfum. Ah, attends, le prix. Non, par contre, ça sent... Bah, ça tient. Là, pour non, le coup, c'est pas là, mal. Hein. Ouais. Dans le coup, je le sens. Je pense que ça vaut au moins 40 balles, minimum. 45,90€. Ouais, tu vois, ça sent. Ça les vaut. Hein. Il y a 50 millilitres. C'est pas donné quand même. Hein. Moi, j'aurais mis 90 millilitres. Hein. Ouais, 45 pour 40. Ah, ouais. C'est un peu rush, ouais, mais... c'est un peu rush. Voilà, objet, ouais, Eva Queen et tout, tu vois. Non, franchement, c'est pas mal. Il faudrait plus de millilitres et ça les vaudrait. Ouais, je suis d'accord. C'est le même prix que mon Abercrombie quand même. Ah ouais? Et t'as plus de millilitres? J'ai plus, ouais. Ah ouais, non, c'est cher. Hein. À cause du prix, je mets 6 sur 10. Moi, le produit, je lui mets 7. Mais vu que ta sœur est une gratteuse, je te mets 6. C'est normal, c'est la famille, t'es pénalisé, c'est normal. T'as volé ma vanne. Parce que ça passe pas si c'est moi qui l'ai dit. Ok. Ok, pas mal. C'est un produit de Marie Frozen Crystal. Alors, je ne connaissais pas du tout, c'est une youtubeuse qui s'est lancée, de ce que j'ai lu, dans le gaming et qui a lancé du coup sa marque Eclipse Shop, dans laquelle elle propose la box Mercure. Alors déjà, premier avis, pas top quali la box, on va pas se mentir. Si on parle vraiment, parce que c'est une box. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'on se casse les fesses, nous, à avoir des box quali, on se ruine. Voilà. Non, mais c'est vrai que moi, ce que j'aime quand on commande des box, c'est l'emballage en vrai. C'est génial quand tu peux le recycler et donner une deuxième vie à ton emballage, parce que quand tu payes ta box, généralement, c'est un produit qui va coûter un peu plus cher parce que tu as le prix de la box qui coûte un certain prix de revient pour la marque. Et là, pour le coup, c'est une boîte qu'on ne pourra pas réutiliser. C'est un peu la boîte... En fait, c'est une boîte à croissant. Ouais, puis en plus, du coup, si je peux me permettre... Pendant l'envoi, ça s'abîme. Du coup, elle arrive absolument tout abîmée. Bah après, ça, c'est le problème du milieu de la box, oui, c'est savoir qu'est-ce que tu fais. C'est dommage. Est-ce que t'en prends une fine, plus épaisse? C'est vrai que ça coûte une blinde absolue, les box. Moi, là, j'aurais bien vu ça en, oui, mais ça en illuminé. Non, mais oui, ça aurait été trop beau. Non, mais juste, voilà, en fait, premier abord. On a en premier une petite carte. Tu vois, voilà, cet effet-là. Vous voyez cet effet doré? Si elle avait mis là, comme ça. En plus, c'est dommage parce qu'elle l'a... Ah, mais voilà, mais c'est exactement ça que je voyais. Elle devrait le coller là. Non, mais regardez, déjà, ça change pas toute la box. Ah, c'est beaucoup plus beau, c'est vrai. Et ça, et une box plus rigide. Parce que ça, on dirait vraiment que je viens d'acheter mes croissants, quoi. Deux stickers, comme ça. Un stickers brillant. On a les deux cartes. Donc, les deux cartes qui parlent de Mercure. Les jours sur Mercure sont longs, mais les années sont courtes. Il faut 1408 heures à Mercure pour tourner sur elle-même et ainsi avoir un jour complet. Il lui faut en revanche seulement 88 jours pour faire le tour du soleil, mais c'est ouf. Donc voilà, on a les petites cartes. Alors je ne sais pas du tout le contenu de la box du coup. Bougie stellaire, ça sent.
la cannelle. Oh, ça sent pas mal. On dirait les biscuits de Noël. Je suis pas fan du visuel. Moi, j'aurais plus vu une écriture sur le verre. Ouais, c'est juste un autocollant. Simple, c'est simple. Mais oui, voilà. Après, c'est une bougie. Elle est toute petite, la bougie. Et ensuite, nous avons un pins. C'est vraiment pour les fans de Mercure, quoi. On est sur une niche, mon chat. Il y a autre chose ? Non. Non ? Moi, je pense que là, ce qui est important de dire à ce moment-là, c'est il faut qu'on devine le prix. Ça, c'est important. Moi, j'ai vu le prix. Ah, t'as vu le prix ? Ouais, je le cache. Je te laisse deviner. Honnêtement, je dirais 14 euros. Ouais, moi, c'est le prix que je mettrais. Combien ça vaut ? 29 euros. Waouh, ouais, non. Ok. Ouais, après, c'est moins 50% les jours où Mercure est trop grand. Alors, en vrai, ça a été dans un délire, quoi. Tu vois, la personne qui aime le truc et tout. Les produits ne le valent pas. Non, 29 euros, t'as... Parce que ça, elle est... Ou alors, à la limite, si ça avait été comme Silent Hill, tu t'en souviens, sa box, il y avait vraiment une très grosse bougie qui brûle pendant, je crois, 45 ou 50 heures, je sais plus. Ça, en une soirée, vous avez plus de bougie. Pour les fans, ça fera le taf. Non, mais même pour les fans, je trouve que c'est quand même cher. C'est un peu cher, parce que pour le coup, il y a 3 stickers. Et après, on a les 2 cartes qui sont pour le coup très belles. Après, je pense que les cartes, en fait, elle a joué en mode truc que tu colles dans ta chambre. Elles sont très belles, les cartes. Les cartes, elles sont super belles. Mais pour ce prix-là, au moins avoir une box beaucoup plus quali. Je suis d'accord. Donc moi, je mets la note de... Mais l'idée n'est pas déconnante, par contre. 3 sur 10. Ouais, je mets 4, moi. On passe au prochain déballage ? Vas-y. Let's go. Nous passons à la marque de Denizy, marque qui s'appelle Electric Sugar. Voilà. Alors, on n'a pas compris avec Jess, quand elle a commandé, on a reçu ça avec, c'est ça, hein. Mais on ne sait pas pourquoi. On a reçu un cahier c'était ligné. C'était dedans ? Ouais. Ok. Donc, Denizy, explique-nous pourquoi. Donc, okay. Et donc, c'est du textile qui était... Moi, je ne savais pas du tout que Denizy avait lancé sa marque. Moi non plus, je ne savais pas. Ça me fait bizarre parce qu'avant, on faisait du textile, moi, je sais que je ne pourrais plus en faire. Ouais. Je pense qu'après, on en a... Oh, c'est pas mal, par contre. Hein. Alors, on va aller dans les détails. Petite étiquette personnalisée. Electric Sugar. Ne laisse jamais personne te coller une étiquette. Tu es unique. Et ça, c'est trop bien. Nous, on l'avait fait. On avait personnalisé les étiquettes. Il y avait une recette dedans. Et ça, alors, c'est le genre de petit détail, je trouve, qui fait la différence. Ah oui, même là, c'est personnalisé. Conçu pour un usage externe seulement, peut être utilisé comme remède contre la mauvaise humeur. Toute dépendance à ce produit peut devenir contagieuse. C'est très sympa. Elle a personnalisé là. Ah, il y a un... Il y a un QR code. Il y a un QR code. Fabriqué en Pologne avec amour et passion. Oh, on n'a jamais travaillé avec la Pologne, nous. Non. T'as vu ce qu'elle a écrit, mais j'adore. Tenir loin du feu, surtout lorsque porté. Lavage au lave-vaisselle déconseillé, à porter pour n'importe quelle occasion, surtout pour impressionner ton crush. Du coup, XL, bah, c'est ce que j'allais dire, c'est que moi, quand je veux du oversize, je prends du L. Mais là, je pense qu'en vrai, ça va faire le taf. Un L, ça aurait été mieux. Ah ! Ah, c'est cool, ça. Petit smiley, ici. Tu vois, ça c'est cool. J'aime beaucoup ce petit logo là. C'est travaillé. Le petit smiley là qui fait la diff. Je suis d'accord. Franchement. La qualité du pull elle est cool. Ouais, elle est vraiment bien. Faut juste voir le prix. On est sur un pull à 39 euros. Ça va. Franchement. Non mais ça va. Non, ça va, ouais. Quand tu vois les pulls des créateurs de contenu, en moyenne c'est 50, 60 euros. Hein. Ouais, même plus. Là, 39 euros. Alors, c'est un pull fin. Bon, après, il est un peu polaire dedans. Non, ça va, franchement, non, la qualité elle est cool. Mais non, franchement. Non, la qualité elle est cool. Je l'aurais apprécié, moi, un tout petit peu plus épais. C'est un peu plus grammé. On avait ce problème sur le textile, c'est que t'as une marge de personnalisation qui est faible et donc du coup, t'as les épaules qui tombent là. Mais non, franchement, il est plutôt calé. Hein. Il y a plein de détails. Moi, je mets un 9 sur 10. Franchement, le produit est bien, le visu est bien. J'adore ça et le prix est vraiment raisonnable. Moi, je mets un 7. Ah, je croyais que t'allais mettre 8. Non, je mets un 7 parce que le textile, je trouve que voilà, c'est... Ouais. Nous sommes sur la fin de ce crash test numéro 3 des objets influenceurs. On n'a pas eu l'occasion encore d'être très méchants, donc faudra faire un épisode numéro 4. Ouais, le prochain défonce tout le monde. Ouais, franchement. Ouais, même si c'est pas justifié. Hein. Ouais. Même si c'est bien qu'on juste aime, on défonce. Pour se faire plaisir, on vous défonce. Non, moi je kiffe ce concept, franchement, ouais, c'est hyper bien. Sympa. On espère que vous avez passé un bon moment. On vous donne rendez-vous très bientôt ici ou ailleurs. On vous aime de ouf, de dingue, de malade. Merci d'être de plus en plus nombreux. Prenez soin de vous. Ciao.